Avec moi. Amen. Amen. Yes. Voilà. Peu importe comment tu vas interpréter ce que je suis en train de faire, mais ça marche. Parce que Dieu est avec moi. Amen. Je ne haine terrible envers les œuvres de la sorcellerie. Amen. Terrible. La sorcellerie, vous voyez là, c'est trop terrible. Quand les sorciers sont sur toi, c'est fini. Sans l'intervention de Dieu, tu es foutu. Amen. Prenez Deutéronome 32. Cieux. Cieux. C'est ce que j'appelle tout. Prêtez l'oreille. Cieux. Écoute bien. Cieux. Prêtez l'oreille. Cieux. Prêtez l'oreille. Et je parlerai. Terre. Ouais, que c'est toujours plus récompensé de ciel. Cieux. Allons-y. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Écoute les paroles de ma bouche. Allons-y. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Les instructions que je vais donner là ira jusqu'en dans ton village. Amen. Amen. Des instructions jusqu'à dans ton village. Amen. Parce que quelque part tu es connecté à ton village. Quand Mouv veut venir à Divo, s'il n'y a pas Mouv, il y a un tas de Mouv qu'on installe. Amen. Pour mettre les gens dans le réseau de Mouv. Toi tu as une connexion depuis ton village. C'est ça que quand un sorcier n'est pas de ta famille pour t'avoir, il capte cette fréquence et tu rentres dedans, ils ont toutes les informations sur toi. Amen. Là, le petit qui parlait là, il dit, j'ai mes caméras, il dit, j'ai toutes les informations. Amen. Amen. C'est la terre. Je rentre en contact avec la terre de ton village, là où Amen. Tu as assis. Amen. Jésus. Je rentre avec la terre de ton village. Amen. Et ce matin, à cette date, du samedi 4 juillet, le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Amen. Dieu t'a appelé pour que tu sois stable, pas instable. Amen. Pour que tu sois stable. Dieu n'a pas créé des vauriens. Amen. Dieu crée des champions. Amen. Pourquoi? Parce que la vie est faite de combats. Amen. Quelqu'un dit, je suis attaqué, c'est normal, parce que c'est comme ça la vie. C'est ça quand un enfant sort, il commence à pleurer. Parce qu'il y a des difficultés. Mais Dieu fabrique un champion. Il fait de toi un champion. Amen. Pour toujours vaincre le combat. Amen. 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 Pour toujours vaincre le combat. Tu as perdu certainement un combat. Parce que tu as eu un ennemi plus fort que toi. Amen. 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 Mais ce matin, je rentre en contact avec la terre. Peu importe là où tu es quitté. Que tu sois quitté au Cameroun, que tu sois quitté au Togo, que tu sois quitté quelque part, même en France. Je m'en fiche. Mais je rentre en contact avec la terre. De ton village. Amen. De là où tu es né. Amen. De là d'où vient ton problème. Amen. Je rentre en contact Amen. Avec cette terre. Amen. Et maintenant, ce matin, je te déconnecte dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je te déconnecte ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je brise tout. Sors des liens. Qui te maintenait dans la captivité. Amen. Donnez-moi de l'eau, je parle. Il faut que vous soyez bénis ce matin. Amen. Il y a quelqu'un, il faut que je sois béni. Il faut que je sois béni. Alléluia. Amen. Je veux parler ce matin. D'abord, donne-moi ça. C'est comme une plainte. Vous avez envoyé des voyous et des criminels. Les sorciers, c'est des voyous. Ma femme de quelqu'un a dû venir coucher avec elle. C'est la voyousie. Ce sont les appels des délinquants. Là, tu es couché là, ta jolie femme là. Un salaud quand il vient, il couche avec elle. C'est un délinquant. Amen. Vous allez voir des plaintes. C'est des voyous. Ils sont très dangereux. C'est des masos. Ils aiment voir ces gens souffrir. Eux, c'est leur problème, ils veulent les voir souffrir. Amen. Amen. Je ramène la souffrance là dans leur cœur au nom de Jésus. Amen.
tes difficultés. Comme la Bible dit dans Nahum, le chapitre 1, le verset 2, Dieu garde rancune à ses ennemis. Tout ce qui sont faits dans le secret. L'Éternel, le Dieu des armées, se lève ce matin pour te rendre justice. Amen. Amen. Il est un Dieu juste. Il rend justice. Amen. Il est juste. Il rend justice. Amen. Ton argent qu'ils t'ont volé, j'ordonne qu'il te restitue ton argent. Amen. La maladie qu'ils ont envoyée dans ton camp, dans ton corps, je leur ramène cette maladie aujourd'hui. Je ramène cette maladie dans leur camp, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je prophétise sur eux le jugement de Dieu. Amen. 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 Je prophétise sur eux le jugement de Dieu. Amen. Élie s'est levé un matin. Il dit, moi je vais détruire tous les prophètes de Baal. Ils ne régneront pas sur Israël. Il faudrait que Dieu soit reconnu comme Dieu ici. Si vos vies, c'est Dieu qui doit régner sur vos vies. Amen. Pas un sale sorcier. Amen. Je les maudis au nom de Jésus. Amen. Je les maudis au nom de Jésus. Amen. Je rentre en contact avec vous. Je délie les âmes captives dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es Dieu. Et ton nom est Jehovah Shabbat. Nous avons décidé de t'appartenir parce que tu es notre refuge. Tu es le grand Dieu. Seigneur, merci parce que tu es assis et tu te lèves de ton trône pour nous rendre justice ce matin. En qualité de prophète de l'Éternel que je suis, je livre tous ces sorciers au châtiment de l'Éternel. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je proclame leur souffrance. Amen. Qu'avant de mourir, qu'ils souffrent. Amen. Ils doivent souffrir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. J'envoie le cancer des os. Cancer. Pour les ronger. Amen. Jusqu'à ce qu'ils s'écroulent. Au nom de Jésus. Amen. Il faut qu'ils souffrent. Il ne faut pas tomber bourre un coup. Non. Ça serait trop intéressant. Il faut qu'ils souffrent. Amen. C'est la souffrance. C'est pour ça que Dieu n'a pas envoyé le feu un coup pour tuer. Ils sont montés, ils sont rentrés dans la mer. Ils ont bu quand ils ont eu de la mort en direct, ils sont morts. Vous savez tuer, non? Vous allez prendre les enfants, vous les jetez dans le fleuve. Ok. Dieu les a ramassés, il les a jetés dans la mer. Le sel est rentré dans le cerveau, ils sont morts. Tout ce qu'ils avaient programmé contre vous, accident. Cela retourne dans leur camp. Amen. Au nom de Jésus. Tout ce qui était programmé sur vos vies, je déprogramme au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prophétise le châtiment de tous les sorciers. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant la fin de cette année, qu'on entende parler de leur mort. Amen. Qu'ils souffrent avant de mourir. Qu'ils tombent sur ton jugement. Tu es le Dieu de justice. Tu es puissant, Seigneur. Tu te vends, le dit de Nahum, le chapitre 2. Seigneur, merci de libérer ces personnes. Parce que Jésus même pouvait dire, c'est à Dieu qui appartient la vengeance. Ne vous vengez pas. Et comme tu t'es levé ce matin pour venger ces bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, tous ces sorciers sont livrés maintenant au jugement de Dieu, dans le nom de Jésus. Je prophétise sur la mort, au nom de Jésus. Qu'elle souffre avant de mourir dans le nom de Jésus. Il y a une bichette d'allumette. Il faut commencer à allumer, les gars. J'ai déjà parlé sur ça toute la nuit. J'étais au front la nuit. Je suis resté dans la présence de Dieu la nuit. Amen. En train de parler. Amen. Je parle. Et je ne veux plus voir les sorciers. Parce que chaque homme de Dieu a eu un mandat. Le mandat que j'ai reçu de Dieu. C'est de vous déconnecter des sorciers. Amen. C'est mon don. Monsieur, moi je suis la terre ici. Ce que tu es en train de faire, la terre va enregistrer. Mets ça quelque part ici. Amen. Moi je suis homme de Dieu, je suis un homme d'action. S'il est réellement sorcier qui t'a mis son nom ici, c'est fini pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a même pas un médecin qui pourra le soigner. Si on fait injection là, ça va repartir dans la seringue.
Vous n'avez rien vu ça. Quand sorcier vous attaque, le médecin prend, il t'injecte ta vieille main dedans. Tout le gars te regarde, il dit, mais tu as quel problème? Oui, ça c'est la vraie vérité. Le médecin te demande, mais tu as quoi? Ton corps a c'est quoi? Tu as mis médicament, c'est oh, ce sorcier. Alléluia. Amen. On jouait, vous, en vent, en venait, le prophète Krasoua vous délivré. Vous êtes là, j'ai mangé tête, j'ai mangé cœur. Vous allez vous manger vous-même. Amen. Amen. Je prophétise la chute au nom de Jésus. Allez-moi, essayez. C'est moi qui dois filmer, petit. C'est pas important tout ça. Je prophétise la chute au nom de Jésus. Vous voyez, le monsieur là, il était sorcier avant, mais il a délivré. C'est lui qui est en train de brûler les papiers des sorciers. Il s'est transformé en panthère. Et puis à chat. Pour attaquer les gens. Aujourd'hui, il est délivré. Lui-même, il est révolté, même contre la sorcellerie. Il sait ce qui est dedans. Amen. 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 Dieu vous débarrasse de tous vos sorciers. Amen. Il vous libère, il libère vos maisons, il libère tous vos enfants. Amen. Amen. Aujourd'hui, je prends témoin le ciel et la terre. Il faut que vos vies se stabilisent. Amen. Amen. Terre, écoute cette parole ce matin. C'est une action. Tu obéis à cette voix et tu enregistres mes instructions. Tous ceux qui sont présents ce matin, je proclame la chute de tous les sorciers dans de leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare ce matin que tout ce qui est enfui dans cette terre, sous cette terre, quelque part où le sorcier avait mis, que toutes ces bénédictions leur soient restituées au nom de Jésus. Amen. Passons Jésus-Christ après sortir de la zone du tombeau. Que la bénédiction sort et s'attache à vous. Amen. Avant qu'il ne meure, il doit vous restituer vos bénédictions. Amen. La terre enregistre ce que je dis ce matin. Que l'argent qui vous manquait, que l'argent qui a été gâté, que Dieu vous ramène l'argent. Amen. Dieu vous donne votre argent. Amen. Je prophétise en tant que prophète de l'Éternel que la richesse s'attache à vous. Amen. Que Dieu élimine de vos vies l'humiliation. Amen. Que l'humiliation soit jamais vaincue de votre vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce qui n'existait pas commence à exister dans votre vie. Amen. Ce qui n'existait pas commence à exister. Amen. Les obstacles sont brisés dans le nom de Jésus. Amen. Il détruit les obstacles. C'est lui qui était dressé comme une forteresse qui t'empêchait d'avancer. Et tu voyais comme un mur. Je brise ce mur ce matin. Amen. Dans le nom de Jésus. Je détruis ce mur. Que le Dieu que nous servons qui est vivant, parce que notre Dieu est vivant, il n'est pas mort. Amen. C'est pour ça que les anges ont dit, pourquoi vous cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Jésus n'est pas ici. Il est ressuscité. Amen. 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 Il est ressuscité, Jésus. Le jour que le peuple d'Israël sortait du pays d'Égypte, les Égyptiens ont dit, oh, prenez tout ce que vous avez acquis de l'Égypte et puis allez-y avec ça. Ton histoire ne restera pas à l'étranger, c'est tes ennemis. Amen. Quand le peuple quittait l'Égypte, ils sont partis avec tous les biens. C'est pas resté. Ils sont partis avec tout ça pour servir Dieu. Tout ce qu'ils t'ont volé là, le diable te restitue ça. Amen. Au nom de Jésus. Alors, amen. Amen. Vous restituez ça au nom de Jésus. Amen. De Nazareth. Pour que vous servez votre Dieu librement. Amen. Je libère ta carrière. Amen. Je libère au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je libère tes études. Amen. Je libère la vie de tes enfants. Amen. Je vous
ouvre les portes. Amen. Au nom de Jésus. De la même manière que Jésus-Christ a dit, ôtez-moi la pierre, je vous ôte cette pierre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je vous libère ce matin. Amen. Je vous déclare délivré. Et la terre enregistre ce que j'ai dit ce matin. Amen. Je vous déclare délivré ce matin. Amen. Que tous ceux qui vont vouloir s'opposer à vous, qu'ils rencontrent la main de Dieu. Amen. Qu'il rencontre la main de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand j'ai fini de prier ce matin, j'ai donné les instructions aux anges. Amen. Il arrivera un moment quand je vais voir un peu votre maturité, je vais vous parler des mystères des anges. Amen. J'ai donné des instructions. Ils vont vous envoyer, ils sont là. Ils vont vous envoyer vos colis. Ça va, Béli? Amen. 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 J'ai dit quand je sors de ma chambre, tout ce que je vais prononcer, il faut que les sorciers tombent. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ouvre les portes, les grandes portes de bénédiction. Amen. Les grandes portes de bénédiction. Amen. Les grandes portes. Portes du mariage. Amen. Que Dieu vous donne l'homme et la femme de votre vie. Amen. Amen. Pas les gens qui vont faire comme ça, comme ça, comme ça. Les gens qui vont vous aimer. Amen. 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 Pas quelqu'un qui va te prendre pour aller te faire souffrir. Non. Un monsieur qui dégage. Celui qui va te faire souffrir, même si tu es avec lui, que ce n'est pas lui, qui dégage sur ta vie. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui a eu la femme a eu le bonheur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez prospères. Amen. Au travers de vos vies, que l'on reconnaît que Dieu est Dieu. C'est ça. Amen. Dieu fait de nous un témoignage. La main de Dieu sur vos vies au nom de Jésus. Amen. Je prophétise la grâce de Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et tous ceux qui étaient malades, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Amen. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Amen. Je vous bénis ce matin. Je vous ouvre des portes. Amen. Des grandes portes de bénédiction. Amen. 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 Tenez-vous debout, je vous impose les mains. Ce que je viens de faire trop grand. C'est le 7 juillet. Et le 7, 7e mois de l'année. Juillet, c'est le 7e mois de l'année. Nous sommes aujourd'hui samedi. Or, samedi, c'est le 6e jour de la semaine. Et le chiffre 6, le chiffre 7 d'abord, c'est le chiffre de la perfection. Parfait, parfait, le chiffre 7. Or, le chiffre 6, parce que nous sommes le 6e jour aujourd'hui, c'est le chiffre de l'or. Parce que c'est le 6e jour que Dieu a fabriqué l'or. Amen. C'est pour cela que cette action était très importante ce matin. Amen. Que je parle. Il dit, créons l'homme à notre image. Amen. Il a parlé. Puis paf. Il ordonne à l'homme de dominer sur toutes choses. Amen. Quand vous allez quitter ici, vous allez voir que les choses vont commencer à aller. Amen. 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 Parce que c'est important, prophétiquement parlant, cette date. Aujourd'hui, c'est très important pour les actions prophétiques. Amen. C'est pas toujours on parle. Amen. C'est ça que je vois les gens parler. C'est pas vous maîtrisez pas les mystères. Ne parle pas comme ça. Le jour où je me lève, commence à prophétiser, c'est que j'ai maîtrisé le temps. Amen. Ouais. C'est comme ça que je suis. Je vous disais hier soir que Jésus-Christ n'a pas fait que guérir, il a parlé aussi au temps. Il a parlé à la nature. Alléluia. Amen. Quand on cherche Dieu, on le trouve. Amen. Vous êtes venu le chercher, vous allez le trouver. Amen. Alléluia. Je vous redonne votre argent volé. Amen. Oui, je vous redonne ça. Amen. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est important. L'argent, vous voyez là, c'est le pouvoir, c'est un pouvoir. Amen. Parce que vous jouez à l'argent. L'argent, vous voyez là, ça fait qu'on respecte l'homme. C'est pour ça qu'on cherche ça. Le jour où ça va te manquer, même ton enfant, il ne va plus te respecter. Il te voit en connerie. Le jour où tu vas plus acheter galettes, gros poteaux jaunes, où on met macaroni là-dessus. Là. Oh, le petit, mais le serait le premier à te persécuter. Les enfants aiment bien ça, macaroni, et puis c'est jaune. Vous connaissez bien ça. Allez, retour. Ah ok, on dit la chose à l'air et tout.
Donc il va manquer à l'aller-retour. Et le premier à te persécuter, c'est ton enfant. Là, c'est la femme qui maîtrise la poche. Quand elle va voir que c'est vide, elle va commencer à t'attaquer depuis la chambre. Mais le jour où l'enfant va manquer à l'aller-retour, c'est fini. Tous les enfants vont te voir honorer. Or, c'est la chose que le diable attaque. Vous allez entendre des aveux. J'ai pris son argent, je suis allé fermer ça. Et tu es là, tu souffres, tu es humilié. Tu sais imprimer la tête. Ça ne doit plus manquer. Parce que l'or et l'argent, vous voyez là, ça appartient à Dieu. Amen. Non, le diable n'est pas propriétaire de l'argent, ni de l'or. Non, non, ça appartient à Dieu. On dit non, il ne faut pas être trop riche. Pourquoi? Je dois être trop riche. Amen. Parce que Dieu n'est pas trop riche. Quelqu'un qui a ça, il est trop riche. Amen. Amen. Faut être au milieu. Moi, je ne veux pas être au milieu. Jamais. Je vais savoir ça et quand avoir ça. Amen. Alléluia. Que Amen. Dieu vous donne votre argent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je prophétise sur vous la richesse. Amen. Je suis prophète. En qualité de prophète que je suis, je prophétise sur vous la richesse. Amen. Que l'argent ne vous manque plus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je ordonne, je parle au ciel. Que le ciel décante, ouvre les portes. Que la grâce de Dieu et la prospérité s'attachent à vous. Amen. Afin que tout ce que vous allez entreprendre puisse prospérer. Amen. Dites à Dieu, ressuscitez dans tout ce qu'il entreprenait parce que Dieu est avec lui. Amen. Tu as décidé de faire une carrière. Musical, sportif. Que Dieu t'ouvre tes grandes portes au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu se répande sur vous. Amen. Que vos diplômes acquis, qui ont été bloqués par les sorciers, que Dieu décante la situation afin que vous ayez du travail. Amen. Afin que vous ayez du travail. Amen. Parce que c'est biblique. On est celui qui ne travaille pas, ne doit pas manger. Dieu ne peut pas te permettre d'avoir des doctorats, d'un diplôme, et puis souffrir. Ce n'est pas possible. Je prophétise sur vous la grâce. Ayez du travail. Amen. Que vos enfants aient du travail. Amen. Que vos enfants soient des soudus à l'école. Amen. Soient très intelligents qu'on parle d'eux. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Que vos ennemis ne soient jamais confondus. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prophétise la grâce de Dieu. Amen. Je prophétise la main de Dieu sur vos vies. Amen. Recevez la grâce de Dieu. Amen. Mettez la main sur la tête. Vous allez recevoir la grâce de Dieu sur vos vies ce matin. Amen. Cette journée, elle est faite pour parler. Elle est faite pour parler. La grâce de Dieu se répand sur vous. Dieu vous bénit ce matin. Je vous fais asseoir dans la gloire. Amen. Tellement ils t'ont arraché la chaise. Parce que Dieu t'a établi sur ta famille. Dieu t'a établi sur beaucoup de choses dans ta région. Dieu t'a établi sur la ville. Dieu t'a établi sur cette famille. Ils t'ont arraché cette chaise qu'on appelle le trône. Et tu es comme un roi, une reine sans trône. Comme l'ennemi a été détrôné, je te donne le trône ce matin. Amen. Entre en possession de ton trône. Amen. Entre en possession de ton trône. Entre en possession de ton trône. Entre en possession. Merci. Je vous bénis ce matin. Je vous bénis ce matin. Oh, merci. Entrez en possession merci. De toute la grâce. Merci. Merci. Entrez en possession merci. De la grâce. Merci. Nous, entrez en possession. Merci. Merci. Nous. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom merci, de Jésus. Seigneur. Merci, Seigneur. Que les choses changent dans vos vies. Que les choses changent. Merci, Seigneur. Que les choses merci, changent. Seigneur. Que les choses changent. Merci, que les choses merci, changent. Merci, les choses doivent changer. Merci. Les choses doivent changer. Merci, les choses changent. Merci, les choses changent. Merci, la grâce de Dieu sur la vie. La puissance merci, de Dieu. Seigneur. La puissance merci, de Dieu. Seigneur. La puissance merci, de Dieu. Seigneur. Merci, Seigneur.
Merci Saint-Esprit, merci mon roi, merci Papa des cieux, merci Saint-Esprit, merci mon roi, merci Papa des cieux, merci que tu m'as conduit ce ton fils. Merci mon Dieu, merci Saint-Esprit, merci Père, merci Saint-Esprit, merci Jésus-Christ, merci mon roi. Après dans le bureau. Merci Papa des cieux que tu m'as conduit ce ton fils. Merci de me guider. Depuis la Suisse, tu m'as dit va. Vas-y, c'est pour cela que je bénis encore ton nom. Merci. Je vous bénis maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci de me, d'avoir me délivré. Merci Jésus. Reçois la grâce. Je veux qu'on se mette comme ça en rang. Et qu'on vienne comme ça par ici. Vous venez un à un. Je promets vous d'imposer les mains ce matin. Non, par ici. Là, à droite, là. Venez. Non, arrêtez-vous. Vous allez venir au fur et à mesure. Voilà. N'aimez pas le désordre. Restez là où vous êtes. Quand ils finissent, vous. Vous l'avez laissé là-bas. Je vous pose les mains pour que tout ce qui était arrêté commence à marcher, comme l'aiguille était arrêtée de ta vie. La puissance de Jésus. Non, la vie, elle a laissé là-bas. Laissez-la là-bas. Si il impose les mains, ce n'est pas bon pour elle-même. Je les touche à vous. Là-bas, aidez-la là-bas. Come on! Ah, mon bateau!
Ta délivrance est maintenant dans le nom de Jésus. Sa puissance te délivre. Te délivre maintenant au nom de Jésus. La puissance de Jésus. Te libère. Te libère. Te libère. Te libère. Te libère. Jésus, libérez sa vie, libérez sa vie, vous lâchez sa vie, vous lâchez sa vie dans le nom de Jésus, vous libérez cette vie dans le nom de Jésus, vous lâchez sa vie au nom de Jésus. Je te bénis ce matin par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Je proclame ce matin ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Ce matin, reçois ta délivrance. Reçois ce matin ta délivrance. Au nom de Jésus, la puissance de Jésus te libère. Sa puissance te libère ce matin. Sa puissance te libère ce matin. Sa puissance te libère. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. God! Merci de tout le monde, juste à dans sa vie. Merci de tout le monde. Amen. Merci de la grâce de Dieu.
soulevez-la à la délivrance. Conduisez-la à la délivrance. Soulevez-la comme ça et amenez-la. Vous devez apprendre beaucoup de choses. Toi, tu es assis quand tu regardes. Faut venir, te... faut être actif. Pourquoi ton âme va faire? Il se met dans le rang où les chasser. Posant les mains, je vous communique quelque chose afin que ce qui n'existait pas commence à exister dans vos vies. Amen. Alors, ensuite, non, non. Est-ce qu'on a déjà prié pour les deux là? C'est les petits sorciers. Allez, je vais les voir.
Lâche-la, au nom de Jésus. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Au nom de Jésus. Pourquoi je chasse les gens? Parce que l'imposition des mains ce matin-là, c'est pour activer vos vies. Or, celui qui a la prison de la sorcellerie, comme ça a été préparé toute la nuit, je t'impose les mains, ça va te détruire maintenant. Sa délivrance, c'est ce que ça veut dire. C'est l'enfant de qui? C'est ma fille. Voilà. Laissez vos enfants jouer n'importe qui. Ça va? Ça va bien chez lui? Vous avez déjà fait sa délivrance. Qui a fait? Quoi? Quitte sa vie. Quitte sa vie. Esprit de sorcellerie. Quitte sa vie. Soulevez-la, amenez-la à délivrance. Soulevez-la, ça veut dire prenez-la comme ça. Ah. Apprenez aux gens comment on fait les choses.
Vous êtes ici là-même, vous êtes tout le monde est distrait. Il faut couper la caméra là.